Salut les fans, je suis Franco. Alors vous avez tellement aimé ma série web, le Benziner Malchanceux. Je vous annonce donc que la série vient donc comme ça de commencer, mais elle est diffusée plutôt sur l'application Vuri TV. Donc téléchargez rapidement l'application Vuri TV sur Play Store pour vivre ces moments forts avec le nouveau réalisateur. Ok. Il y a une blogueuse qui est en train de crier, elle pleure, les mots sortent, les larmes coulent. Et je grand frère. C'est la magie. On me rembourse, moi je suis au Cameroun. Et moi, ils ne vont pas réclamer mon argent parce que président Amote, c'est mon ami. Non. Parce que je fréquente le couple Amote. Non, il faut qu'on me donne mon argent. Je ne gère même pas l'autre là. Vous comprenez un peu? Là, il a. Dégâts! C'est souillant, hein? C'est très souillant. Vous vous montrez que la vie est tellement facile. Vous montrez que non, tout va bien. Alors que vous avez les agents des. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça! Vraiment, c'est malheureux! Mais oui, c'est clair! Vous parlez de quoi? Flo, tente encore de boire le lot! L'eau se le mange à Amout! Sois à l'île! Ah? Godness! C'est le diable qui manifeste! Si, mais on est où? Il n'y a rien qu'on paye là-bas! Hein? Tout se paye ici-bas! Vous racontez quoi? Attendez, je bois ma première verre! Tu te rends même compte les problèmes que cette femme, tu es venue maigre! Pardon, rends l'argent! À Fleur de l'île. Pourquoi? Parce que ici sur la toile, la personne qui a supporté la famille Amote, qui? C'était Fleur de l'île. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. À ce moment. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux décès. Il y a quoi, Nabo? Nabo, je ne sais pas. Fleur, il y a quoi, non? Je suis victime d'une tontine. Ah bon, hein? Non, le père, attends qu'elle nous explique. Fleur, explique-nous ce qui se passe. La façon que je me bats. Vous ne pouvez pas imaginer, moi j'ai pas un homme dans ma vie qui m'aide. Je n'ai même pas le show qui m'aide. Ouais, chère maman, ne pleurez pas, pardon. Flo, explique-nous même ce qui se passe, non? Moi je suis entrée dans la tontine. Ma soeur, tu voulais même faire quoi avec cette tontine? J'avais mon projet de prendre mon argent pour compléter et ouvrir mon restaurant. Là, il a. Qu'est-ce qui s'est donc passé alors? Massa, Aïcha, tu peux avoir raison, hein? Tu dis que Flo s'y pleurait même comment? Pleurer les larmes. Meugre. Quoi? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Mince, attendez un peu, on va voir vraiment si c'est vrai. Vous comprenez? La mère, tu as compris? C'est un crime. C'est vrai. Flo, ça s'est vraiment passé comment? On ne peut pas comment, on doit quelqu'un lui enlève du coup. Point d'interrogation. Je ne fais pas au président. Parce que je ne parle pas les histoires de tontine. De Jaguar avec le président Amote. Non, mais j'ai envoyé la capture des gants qu'on m'a enlevé du coup. Je ne comprends pas. Elle-même, j'ai envoyé la lui, elle n'a pas répondu. Vous racontez quoi? Imaginez un peu. Oh, maman. Waouh, maman. Assez, beaucoup de courage. Hein. Moi, je suis seul. Moi, j'ai pas de frères en Europe. Je n'ai pas de soeur. Je suis seul. Hey! Et je compte sur moi seul. Je suis entré dans la tontine. Ah! Femme! Je me parle, je mets 1000 euros tous les mois. Je n'ai jamais échoué. Hey, les gars, maman. Mais du combi. J'ai cotisé tout le monde. Maintenant, c'est à la fin, moi, je devais prendre 11 000 euros à la tontine. J'arrive à la réunion, on me donne 2 000 euros. Quoi? 2 000 euros, c'est 11 000 euros que j'ai cotisé. Ah? Ce n'est même pas possible! C'est impossible! Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Pourquoi tu as seulement reçu 2 000 euros? Soit disant, le gars qui gardait l'argent, il a fui au Cameroun. Hey! Ferme-moi. Non, le père ne parle pas, reviens, on va un peu suivre la fin de cette histoire. Aïcha! Tu connais un peu quelque chose sur cette histoire? Oh, la blogueuse Fleur de l'île, on a mangé son argent dans une réunion. Ah bon? Vous me rendez dingue! Et c'est vrai alors, mamie? Quand on a dit ça, c'est moi pensé à mon oncle Brissien avait escroqué. Oh, yaya! Voilà, avant de revenir sur cette affaire, je voulais vous passer une information très importante. Ah bon? Oui, mon général, tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Port-Emana, à Messassi, derrière Amouba, à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importés. Les Las Vegas met à votre disposition un DJ, des couverts, un tapis rouge et des chaises royales.
Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snack VIP pour vos divertissements. Donc, datez rapidement ces numéros qui s'affichent au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Aïcha, tu disais quoi? J'ai seulement pensé à mon argent que Brissier avait escroqué. Non. Parlons plutôt de Fleur de Lille, s'il te plaît. Les filles, vous savez, attendez, je bois ma première verre. L'histoire qui se passe entre Mafo et le président Amout, je ne peux pas me prononcer dessus. Pourquoi? Mais ce que je sais, c'est que quand quelqu'un souffre pour avoir son argent, quand on mange son âme, ça fait mal. Je te dis que... Vous racontez... Amen, tu as quelque chose à dire à propos de ce sujet? Le dehors est risqué. Ah bon? Vous avez vu quel milliardaire distribue l'argent dehors? Point d'interrogation. Elle ne doit pas pleurer son argent, pourquoi? Anawama, Laisse les gens. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Non, le père laisse, il maîtrise. Tu dis quoi alors, grand? La prochaine fois, va encore boire chez eux. Tu vas lire. Dégage! Ma soeur, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre d'escrocs? Mais vous ne connaissez pas les gens dans le mystique. Donc faites attention, c'est comme ça que vous voyez souvent qu'ils finissent le pied pourri. Ils finissent d'une mort que toi-même tu ne comprends pas. Ah bon? Moi je vous dis. C'est vrai. Pourquoi alors on les tue mystiquement? Parce que comme vous croyez souvent que vous êtes très fort là, vous connaissez tous les généraux. Vous connaissez tous les procureurs. Vous connaissez même les ministres. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Vous comprenez dans la compréhension. J'espère vraiment que les voleurs l'ont compris. Hein. Remettez l'argent de Flo. Hein. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.